Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment cloner notre premier dépôt GitHub. Donc on va, voilà, je vais aller sur mon site web créatuto.info et par exemple on va regarder dans PyM, il y a voilà tous les sources ils sont dans un dépôt GitHub. Alors si on a envie de les récupérer, ben on va sur l'URL du dépôt. Et après, donc tout se passe ici. Et il faut qu'on récupère donc l'URL qui va nous permettre de faire le clone. Donc c'est une URL qui est donnée ici, donc en HTTPS et GitHub, voilà, jusqu'au nom du dépôt qui finit par .git. Donc là, je la copie. Maintenant, on va donc si on veut récupérer ça en local, donc on veut faire un clone sur notre machine. On va ouvrir un terminal de commande. Voilà. Je vais le redimensionner. Donc on va dans un dépôt qui dans une dans un dossier, excusez-moi, qui s'appelle démo. On fait un petit CLS. Donc démo, il est actuellement vide. Voilà. Si je regarde avec l'explorateur, voilà, c'est vide. Et donc pour faire le clone, donc on va écrire git clone. Et là, je vais être simplement coller l'URL que j'ai récupéré tout à l'heure dans GitHub. Là, je fais entrée. Et après, bah voilà, on attend. Voilà, ici, il nous dit que c'est fini, il a fait le clone. Donc, si on refait un dir, maintenant, j'ai un dossier qui s'appelle, un sous-dossier qui s'appelle PyM. Donc, c'est qui correspond au nom du dépôt. Hein, donc, voilà, maintenant, j'ai un dossier qui s'appelle PyM. Et si je vais voir à l'intérieur, bah, je me retrouve avec tous les dossiers, tout ce qui est contenu dans ce dépôt. Voilà. Par exemple, l'épisode 24, ben voilà, il y a un ensemble de sources. Donc voilà, on a réussi à cloner notre dépôt qui est présent donc dans GitHub et à ramener tous les sources donc localement dans un dossier. Alors après, ben, si on n'a plus envie de ces sources, qu'on n'en a plus rien à faire, ben, on n'a plus qu'à les supprimer et voilà. On est revenu comme au début. On a cloné notre dépôt, éventuellement on l'a utilisé et après on l'a supprimé. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.